It's not my problem. It's not my problem. Woo! When I feel heavy metal, woo-hoo! And I feel that I need a woo-hoo! When I lie and I'm lazy, all of the time I never show why I need you. Bonjour chers partisans, bienvenue au match d'aujourd'hui au Stade des Anciens qui oppose le Phoenix du collège André Grasset au Notre-Dame. Pull the roof back, just me, you, and the stars. Toast to the gods. She's a one, a masterpiece. She a drug at a fast release. Got me sprung, wrapped in sheets. Wake up, fuck, and then we going back to sleep. Yeah, it's right. My head melts in my bed. You know I'm probably dead. But man, I got this life. Man, I got this life. My head melts in my bed. You know I'm probably dead. Chers partisans, on accueille Notre-Dame. Sway, I'm clean like this detergent. On patrol, yeah, I'm gone. Purple by the
Ce sera donc le Phoenix d'André Grasset qui va recevoir le ballon pour débuter ce match. Effectué par le numéro 21, Kervins Paul. Ce sera premier essai Grasset. Ouais, c'est quand le caucus il se défait. Ah, ok. Ouais, c'est ce qu'ils demandent les arbitres. La passe qui est complétée au numéro 11, Charles Williams. Un gain de 7 verges, deuxième essai, 3 verges à faire. Le ballon qui est porté par le numéro 19, Grégory Moulanda-Saint-Pierre. Un gain d'une verge, troisième essai, deux verges à faire. Le plaqué pour perte qui est effectué par le numéro 15 du Notre-Dame, Steve Bolamboa! Notre-Dame! Le numéro 17, Steven Sautura!
Alors, punition de hors-jeu contre le Phoenix. Converti d'un point qui réussit par le numéro 80 du Notre-Dame, Samuel Tremblay. Ça porte la marque à 7 à 0. Le retour effectué par le numéro 21 de Grasset, Kervin Spall. Premier essai. Porté par le numéro 19, Grégory Moulanda Saint-Pierre. Un gain de 2 verges, deuxième essai, 8 verges. Le sac du corps effectué par le numéro 15, assisté du 47. Alors, punition contre Grasset. Trop de temps pour avoir mis le ballon en jeu. Ça coûte donc 5 verges. Troisième essai repris.
La course qui est stoppée par la défensive du Notre-Dame, on les force à dégager. Alors, on accorde le toucher de sûreté du côté de Grasset. Ça porte la marque à 9 à 0. Non. La course effectuée par le numéro 10, Rémi Nadeau, le ballon qui est échappé et repris par le Phoenix. La passe tentée par le carrière, le numéro 12, José González Garza, c'est incomplet. Deuxième essai, diverge à faire. La passe qui est captée par le numéro 18, Gabriel Taché. Et c'est bon pour un premier essai du côté de Grasset. Ce qui est complété par le numéro 10, Maxence Frenière. Premier essai à la zone des buts du côté de Grasset.
excellent plaqué effectué par le numéro 56, Ryan Payep. Par le numéro 11, Charles Williams, touché Grasset. Le converti qui réussit par le numéro 82 du côté du Phoenix, Louis-Félix Laurent. Ça porte la marque à 9-7. Le retour effectué par le numéro 7, Nathan Jean-Paul. Il y a eu punition sur le jeu. Deux punitions contre le Notre-Dame, bloc illégal ainsi qu'une rudesse. Ce sera premier essai Notre-Dame. La course qui est effectuée par le numéro 1 du Notre-Dame, Paul Camden. Alors, punition de hors-jeu contre Grasset. Ça donne un premier essai au Notre-Dame. Effectué par le numéro 18, Thomas Leroux, qui rejoint le numéro 8, Olivier Michaud!
Le ballon qui est porté par le numéro 1, Paul Camden. Aucun gain sur le jeu. Deuxième essai, diverge à faire. La passe qui est captée par le numéro 8, Olivier Michaud. Un gain de 5 verges. Troisième essai, 5 verges à faire. Punition procédure illégale contre le Notre-Dame. Ce sera troisième essai et diverge à faire. Passe qui est incomplète. Ce sera donc quatrième essai pour le Notre-Dame. Dégagement effectué par le numéro 80, Samuel Tremblay. Ce sera premier essai grâce à leur ligne de 32. Course qui est effectuée par le numéro 21 du côté de Grasset, Kervin Spall. Un gain de 2 verges, deuxième essai et 8 verges à faire. La passe qui est captée par le numéro 11, Charles Williams. Premier essai Grasset. La course effectuée par le numéro 19 du côté du Phoenix, Grégory Moulanda-Saint-Pierre. Deuxième essai, 6 verges à faire.
Temps d'arrêt demandé du côté du Phoenix. Alors, une nouveauté cette année, chers partisans, le moitié-moitié se fait de façon virtuelle. Alors, les demoiselles de l'équipe de rugby féminin vont passer avec un code QR et tout se fait à l'aide de votre téléphone intelligent. Et notez que le gros lot est cumulatif cette année. Il sera tiré le 12 novembre. Alors, merci d'encourager le Notre-Dame et bonne chance! Passe effectuée par le numéro 12, le quart arrière de Grasset, José Alejandro González García. Premier essai. La passe tentée en direction du numéro 22, David Mailloux-Collin. C'est incomplet. Deuxième essai, diverge à faire. La passe qui est captée par le numéro 11, Charles Williams, plaqué rapidement par le numéro 7, Nathan Jean-Paul. Troisième essai pour Grasset. Chers partisans, la défensive a besoin de vous! On veut du bruit! Passe qui est captée par le numéro 17, Sébastien Allaire. Premier essai pour le Phoenix. Le ballon qui est porté par le quart arrière du Phoenix, le numéro 12, José González Garza. Deuxième essai, deux verges à faire. La passe qui est rabattue par le numéro 4, Isaiah Kozubek!
Troisième essai à la ligne de 8. On encourage la défensive! La course effectuée par le numéro 19, Grigory Moulanda-Saint-Pierre. Premier essai pour le Phoenix. Passe qui est captée par le numéro 5, Antoine Goupy. Touché, Phoenix. C'est le retour effectué par le numéro 7, Nathan Jean-Paul. Par contre, il y a infraction sur le jeu. Illégal contre le Notre-Dame. Ce sera premier essai. CNDF. Allons porté par le numéro 10 du Notre-Dame, Rémi Nadeau. Punition de hors-jeu contre le Notre-Dame.
remporté par le numéro 10, Rémi Nadeau. Aucun gain sur le jeu. Deuxième essai, diverge à faire. Passe qui est captée par le numéro 8, Olivier Michaud. Court gain sur le jeu, troisième essai pour le Notre-Dame. La course effectuée par le corps arrière, le numéro 18, Thomas Leroux. Et c'est bon pour un premier jeu, Notre-Dame. Excellente course effectuée par le numéro 10, Rémi Nadeau. Et c'est bon pour un premier jeu, Notre-Dame! Alors, chers partisans, n'oubliez pas de fréquenter la cantine du Notre-Dame pour un bon rafraîchissement, où des chips, brownies et hot dogs, ainsi qu'une bonne bière froide sont servis. Merci beaucoup! Porté par le numéro 1 du Notre-Dame, Paul Camden. Très bon gain sur le jeu. Deuxième essai, deux verges à faire. La course effectuée par le numéro 1, Paul Camden. Troisième essai, une verge à faire. Le numéro 10, c'est Rémi Nadeau. Et c'est bon pour un premier jeu, Notre-Dame! Ballon porté par le numéro 10, Rémi Nadeau, perte de terrain sur le jeu. Deuxième essai, 12 verges à faire.
La passe qui est captée par le numéro 17, Sivan Satirov. Deuxième essai, troisième essai, et 9 verges à faire. La passe qui est captée par le numéro 8, Olivier Michaud, n'est cependant à court. Ce sera un quatrième essai pour le Notre-Dame. Sur le hors-jeu contre le Notre-Dame, ça sera quatrième essai repris. Effectué par le numéro 21 du côté de Grasset, Kervin Spall. Un gain de 4 verges, deuxième essai, 6 verges à faire. La passe qui est rabattue par le numéro 9, Chamu Mertier! Troisième essai, on encourage la défensive! Qui est capté par le numéro 22, David Mailloux-Collin. Premier essai, Grasset. Tenté en direction du numéro 18, Gabriel Taché.
Il y a punition. Interférence en défensive contre le Notre-Dame. Premier essai pour le Phoenix. La course effectuée par le numéro 21, Kervins Paul, plaqué par le numéro 96, Gérard Dominguez. La passe qui est incomplète. Troisième essai, 8 verges à faire. La passe qui est captée par le numéro 11, Charles Williams. Premier essai pour le Phoenix. En jeu par le 95, Thomas Gosselin. Perte de 4 verges sur le jeu, deuxième essai, 14. Et de 8 verges sur le jeu, troisième essai. Et 6 verges à faire. Il y a eu punition pour avoir retenu contre le Phoenix. La punition qui est déclinée, ce sera donc quatrième essai du côté de Grasset.
Le botté de placement qui est réussi par le numéro 82, Louis-Félix Laurent. Ça porte la marque à 17 à 9. Ballon porté par le numéro 10, Rémi Nadeau. Aucun gain sur le jeu. Deuxième essai, diverge à faire. Excellent passe captée par le numéro 85, Samuel Michaud. Troisième essai, moins d'une verge à faire. La course effectuée par le numéro 10, Rémi Nadeau. Et c'est bon pour un premier jeu, Notre-Dame! La passe qui est captée par le numéro 85, Samuel Michaud. Un gain de 6 verges. 7 verges même. Deuxième essai, 3 à faire. Passe incomplète, ça sera donc troisième essai et trois verges à faire.
Perte de terrain sur le jeu, ça sera donc 4e essai pour le Notre-Dame. La bâtée de dégagement effectuée par le numéro 80, Samuel Tremblay, qui sort en touche à la ligne de 16 verges. Premier essai Grasset. La passe qui est incomplète du côté de Grasset. Deuxième essai, 10 verges à faire. La passe qui est captée par le numéro 17 du côté de Grasset, Sébastien Allaire. Un gain de 9 verges, deuxième essai et... troisième essai, pardon, et une verge à faire.
course effectuée par le numéro 19, Grégory Moulanda-Saint-Pierre, plaqué par le numéro 14, Gabriel Perron. Il y a cependant la punition contre le Phoenix. Troisième essai avec 2 minutes à faire. On encourage la défensive. La passe qui est captée par le numéro 11, Charles Williams. Premier essai, Grasset. Et punition de hors-jeu contre Grasset. Ce sera donc premier essai repris avec 15 verges à faire. Le sac du corps effectué par le numéro 15, Steve Mbia. Ballon porté par le numéro 21, Kervin Paul. Troisième essai et 13 verges à faire.
Punition de hors-jeu contre Grasset. On recule donc de 5 verges, troisième essai. Et 18 verges à faire. Excellent plaqué effectué par le numéro 15, Steve Bolo-Mbua, assisté du 92, Christophe Martin. Alors, le jeu qui est arrêté puisque le ballon n'a pas dépassé la ligne du premier essai. Donc, le Notre-Dame reprend le ballon à la ligne de 44. Ce qui est capté par le 85, Samuel Michaud. Il y a eu punition de hors-jeu contre Grasset. Ça coûte 5 verges. Premier essai et 5 verges à faire. Tenté par le quart arrière, le numéro 18, Thomas Leroux, c'est incomplet. Deuxième essai pour le Notre-Dame. Tenté dans la zone début, on visait le 85, Samuel Michaud, c'est cependant incomplet. Troisième essai, 5 verges à faire. Alors, punition de hors-jeu contre Grasset, ça procure un premier jeu au Notre-Dame.
La passe qui est incomplète. Il y a eu également punition sur le jeu. Punition pour avoir retenu contre le Notre-Dame. Ce sera premier essai repris avec 20 verges à faire. Excellent catch effectué par le 85, Samuel Michaud! Il y avait punition, procédure illégale contre le Notre-Dame. Premier essai repris. Instanté par le quart arrière, le 18 de Thomas Leroux, c'est incomplet. Deuxième essai. Course du camp arrière, le numéro 18, Thomas Leroux. Ce sera troisième essai pour le Notre-Dame. Le ballon qui est échappé du côté du Notre-Dame est repris par le Phoenix. Premier essai Grasset avec 9 secondes à faire. Flexion qui met fin à cette première demi. On rappelle le pointage 17 à 9 en faveur de Grasset.
Alors, message important, on demande aux automobilistes qui sont stationnés dans la rue derrière les camions de pompiers, du côté des camions de pompiers, de bouger leur véhicule puisque ça bloque l'accès en cas d'urgence. Merci beaucoup. Effectué par le numéro 7, Nathan Jean-Paul, premier essai Notre-Dame. Ballon porté par le numéro 10, Rémi Nadeau. La passe tentée en direction du numéro 17, Steven Satirov, c'est incomplet. Troisième essai diverge à faire. La passe tentée par le camp arrière, le numéro 18, Thomas Leroux, c'est incomplet. Ce sera donc quatrième essai du côté du Notre-Dame.
Le retour effectué par le numéro 2, Bright Rukondo. Plaqué par le 92 Notre-Dame, Christophe Martin. La course effectuée par le numéro 21, Kervin Pauls. Un gain d'une verge, deuxième essai et 9 verges à faire. La passe qui est captée par le numéro 18, Gabriel Taché. Premier essai, Grasset. Ce qui est capté par le numéro 22, David Mailloux-Collin. Premier essai, Grasset. Kervin Paul qui effectue la course. Aucun gain sur le jeu. Deuxième essai pour le Phoenix. Il y a eu punition d'hors-jeu contre le Phoenix. Ça coûte 5 verges. Deuxième essai, 15 verges à faire. La passe tentée dans la zone des buts, c'est incomplet. Troisième essai. Partisan, on encourage la défensive! «
La course effectuée par le quart arrière, le numéro 12, José González Garza. Plaqué par le numéro 52 de Notre-Dame, Justin Laflamme. Le placement qui est réussi du côté du Phoenix apporte la marque 20 à 9. Faut juste que tu fasses update après. Ouais, quand... Ok, c'est bon. Porté par le numéro 1, Paul Camden. Un gain de 2 verges, deuxième essai, 8 verges à faire. Ce qui est capté par le numéro 86, Alexis Fournier. Passe qui est incomplète, ce sera donc quatrième essai pour le Notre-Dame. La passe qui est captée par le numéro 11, Charles Williams. Un gain de 9 verges. Deuxième essai, une verge à faire.
La passe qui est captée par le numéro 18, Gabriel Taché. Un gain de 3 verges. Deuxième essai, 7 verges à faire. Passe qui est captée par le numéro 18, Gabriel Taché. Premier essai, Grasset. La passe qui est captée par le numéro 17, Sébastien Allaire, plaqué par le 95, Thomas Gosselin. La passe qui est rabattue du côté du Notre-Dame. Il y a punition sur le jeu. Attendons voir. Punition pour avoir retenu contre le Phoenix. Écoute, diverge, deuxième essai repris. La passe qui est captée par David Mailloux-Collin. Troisième essai, diverge à faire. La passe qui est incomplète du côté du Phoenix, ça sera donc quatrième essai.
Engagement qui sort en touche à la ligne de 4. Ce sera donc premier essai Notre-Dame. De hors-jeu contre le Phoenix. Ce sera donc premier essai, 5 verges à faire. Porté par le numéro 24 du Notre-Dame, Hugo Robitaille. Effectué par le 24, Hugo Robitaille. Deuxième essai, Notre-Dame. À passe-tenter en direction du 89, Noah Martineau, c'est incomplet. Ce sera donc troisième essai pour le Notre-Dame. La passe tentée en direction du numéro 8, Olivier Michaud, c'est incomplet. Ce sera donc quatrième essai pour le Notre-Dame. Le retour effectué par le numéro Bright Rocondo. Punition pour non-respect de l'immunité contre le Notre-Dame. Ce sera donc premier essai pour le Phoenix.
Infraction sur le jeu. Retenu contre le Phoenix. La punition est déclinée. Deuxième essai pour Grasset. Le sac du corps effectué par le 95, Thomas Gosselin! Troisième essai est long! La défensive a besoin de vous! On fait du bruit! La passe qui est captée par le numéro 22, David Mailloux-Collin. Plaqué par le numéro 4 du Notre-Dame, Aizia Kozubek, quatrième essai. Effectué par le numéro 17, Steven Satirov. Premier essai Notre-Dame à la ligne de 25. Passe effectuée par le quart arrière, le numéro 6, Alexis Delisle, qui rejoint le numéro 8, Olivier Michaud! Passe tentée au numéro 8, Olivier Michaud, c'est incomplet. Deuxième essai, diverge à faire. Excellente course effectuée par le numéro 24 de Notre-Dame, Hugo Robitaille. La course du numéro 24, Hugo Robitaille. Aucun gain sur le jeu. Quatrième essai pour le Notre-Dame.
effectué par le numéro 2 du Phoenix, Bright Rokondo. Premier essai à la ligne de 29 pour Grasset. On rappelle le pointage après trois quarts. Le Phoenix de Grasset 20, le Notre-Dame 9. Le numéro 21, Kervin Paul. Premier essai Grasset. Effectué par le numéro 21 Curvins Paul, plaqué par le numéro 16 Notre-Dame Yves-André Nonon. Qui est capté par le numéro 88, Timothée Nema-Lacasse. Un gain de 6 verges, deuxième essai, 4 verges à faire. Excellent jeu effectué par le 95, Thomas Gosselin. Perte de terrain sur le jeu, troisième essai, 8 verges à faire. Le numéro 21, Kervins Paul, qui est à court du premier essai, quatrième essai du côté de Grasset.
Le bâté de dégagement qui sort en touche à la ligne de 30. Ce sera premier essai Notre-Dame. Le ballon qui est porté par le quart arrière, le numéro 6, Alexis Delisle. Un gain d'une verge. Deuxième essai, 9 verges à faire. La punition sur le jeu. Interférence contre la défensive de Grasset. Alors, ce sera donc le converti 2 points qui sera repris à la ligne d'une verge. Position de hors-jeu contre le Phoenix. Converti de 2 points qui est raté du côté du Notre-Dame. C'est donc 20 à 15 avec 10 minutes 39 à faire.
Retour effectué par le numéro 21, Kervins Paul. Plaqué par le numéro 51 du Notre-Dame, Alex Lazic. Plaqué pour perte par le numéro 47. Jean-Simon Réaume. Il y a cependant punition sur le jeu. Punition de rudesse contre le Notre-Dame. Premier essai, Grasset. Ce qui est capté par le numéro 11, Charles Williams. Premier essai, Grasset. La passe qui est incomplète, ça sera donc troisième essai, diverge à faire. Deuxième essai, diverge à faire. Échappé du côté du Phoenix et repris par le Notre-Dame. Le 47, Jean-Simon Réaume. Effectué par le numéro 10, Rémi Nadeau. Un gain de 3 verges. Deuxième essai, 7 verges à faire. Course du numéro 10, Rémi Nadeau!
À se tenter dans la zone début, on visait le numéro 8, Olivier Michaud. C'est incomplet, deuxième essai, diverge à faire. Course effectuée par le numéro 1, Paul Camden. Troisième essai, deux verges à faire. Placement qui est réussi par le numéro 80, Samuel Tremblay. Ça porte la marque à 20 à 18 avec 6 minutes 24 à faire. Excellent plaqué du numéro 15, Steve Bambua! Course effectuée par le numéro 19, Grégory Moulanda Saint-Pierre. Un gain de 3 verges, troisième essai et 5 verges à faire.
Troisième essai, on encourage la défensive! Parce qu'il est capté par le numéro 18, Gabriel Taché. Premier essai, Grasset. La passe qui est incomplète. Deuxième essai, diverge à faire. La course effectuée par le numéro 19, Grégory Moulanda-Saint-Pierre, plaqué par le numéro 26, Loïc Boisvert. Troisième essai est long! On encourage la défensive! La passe qui est captée par le numéro 5, Antoine Goupy. On est cependant à court. Ce sera quatrième essai. Le temps d'arrêt qui est demandé du côté du Notre-Dame. Chers partisans du Notre-Dame, quatrième essai! La défensive a besoin de vous! On fait du bruit!
temps d'arrêt du côté du Phoenix et on amène l'unité de beauté de dégagement. Le bâté de dégagement qui sort en touche à la ligne de 19. Ce sera premier essai pour le Notre-Dame avec 3 minutes à faire. Excellente passe tentée par le numéro 6, c'est Alexis Delisle. Qui on visait le numéro 8, Olivier Michaud, c'est incomplet. Deuxième essai, diverge à faire. La course effectuée par le quart arrière, le numéro 6, Alexis Delisle. Il y a eu punition de rudesse contre le Phoenix. Ce sera donc premier essai automatique au Notre-Dame.
Excellent catch effectué par le numéro 88, Mathieu Leclerc. La passe qui est incomplète du côté du Notre-Dame. Deuxième essai, diverge à faire. La passe tentée en direction du 89. Noah Martineau, c'est incomplet. Troisième essai, diverge à faire. La passe qui est captée par le 86, Alexis Fournier. Un gain de 6 verges. Quatrième essai, 4 verges à faire. La passe qui est captée par le 86, Alexis Fournier. Et c'est bon pour un premier jeu, Notre-Dame! Excellent catch effectué par le 89, Noah Martineau. Deuxième essai pour le Notre-Dame. Ah, ce qui est incomplète. Troisième essai pour le Notre-Dame. Ce qui est incomplète, ce sera quatrième essai.
Alors, punition contre le Phoenix. Interférence défensive. Premier essai Notre-Dame. Course effectuée par le numéro 10, Rémi Nadeau! Ballon porté par le numéro 10, Rémi Nadeau! Aucun gain sur le jeu. Troisième essai et quatre verges à faire. La course effectuée par le numéro 10, Rémi Nadeau. Quatrième essai pour le Notre-Dame.